إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، بحكم أننا في فترة عطلة وأن الشباب موجودين هنا، سأوجه لهم رسالة باللغة والأسلوب التي يفهمونها. Chère jeunesse, chers écoliers, nous sommes un vendredi de vacances et c'est assez rare quand on vous reçoit le vendredi, et je vais profiter de ces quelques minutes pour vous adresser un message. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أدي كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمان dit: les gens interrogeaient le prophète de l'islam au sujet du bien. Quant à moi, je l'interrogeais au sujet du mal, afin qu'il ne m'atteigne pas. On pourrait passer des heures à vous inciter aux différentes voies de la réussite, car elles sont très nombreuses. Les bonnes œuvres, les bons comportements sont multiples. Mais les dangers de la vie se comptent sur le bout des doigts. Nous pouvons les résumer rapidement. Et si vous voulez réussir, il faut absolument que vous sachiez quel piège vous allez rencontrer dans le chemin de la réussite. Si vous empruntez ce chemin difficile sans être averti des obstacles, des dangers qui vous menacent, vous allez peut-être naïvement, inconsciemment rater votre réussite. Alors nous allons appliquer l'intelligence de Hudayf ibn al-Yaman, on va s'intéresser au mal afin de pouvoir l'éviter. Je ne vais pas vous parler donc de la réussite, mais je vais vous parler du mode d'emploi pour échouer. Comment pouvez-vous échouer? Si vous voulez échouer dans votre vie, il n'y a rien de plus facile et de plus simple. Quand vous vous levez le matin pour vous rendre à l'école, n'ayez surtout pas comme objectif durant la journée d'étudier, d'écouter votre professeur, d'être concentré en classe, de noter ce qu'il vous dit, de faire vos devoirs, mais que votre but durant cette journée, ça soit de vous faire remarquer. Quand vous sortez le matin pour aller à l'école, passez 20 minutes, 30 minutes à penser à quelle personne vous allez tenter de séduire. Passez beaucoup de temps devant le miroir à adorer votre image, à soigner vos apparences, afin que durant la journée, vous puissiez attirer l'attention sur vous. Ainsi, vous allez échouer dans vos études. Quand vous êtes en classe, essayez de faire rire vos camarades. Essayez de vous faire remarquer. Déconcentrez vos amis. Attirez-les vers le chemin de l'échec. Quand vous êtes en classe et que l'un des élèves lance une vanne, une moquerie,
Alors souriez, applaudissez-le. Vous allez ainsi échouer à l'école. Ne respectez surtout pas vos professeurs, car si vous les respectez, vous allez apprendre. Mais vous, vous ne voulez pas apprendre, vous voulez échouer. Alors, dormez en classe. Et pour dormir en classe, il ne faut surtout pas dormir tôt à la maison. Mais il faut que vous mentiez à vos parents. Vous leur dites que vous allez vous coucher, et en fait, vous avez votre portable, vous avez les écrans, et vous passez la moitié de votre nuit, la majeure partie de votre nuit sur les écrans, afin de vous réveiller fatigué et qu'en classe, vous soyez épuisé, déconcentré. Ainsi, vous allez échouer. Si vous ne voulez pas réussir à l'école, alors, quand vous rentrez à la maison, après cette dure journée, que votre premier réflexe, ça soit de vous amuser, d'aller sur l'ordinateur, d'aller consulter votre messagerie, de poster sur les réseaux sociaux les photos de la journée, ou vous vous intéressez à la vie des autres, ou à l'actualité, ou vous vous plongez dans les jeux vidéo pendant des heures sans voir le temps passer. Surtout, n'ouvrez pas votre cahier de texte pour savoir ce qu'il y a à faire demain, voire même pour vous avancer dans vos devoirs, ou pour compléter le cours, ou pour essayer de faire mieux que les autres. Surtout pas. Faites le moins possible, la culture du moindre effort. Soyez des fainéants et des paresseux, vous allez de toute évidence échouer. Un père me disait il n'y a pas si longtemps, « Mon fils, j'ai senti qu'en début d'année, il avait mal commencé. Il avait, comme moyenne générale, 9. Et j'ai voulu le motiver en lui disant, « Si tu travailles bien au deuxième trimestre, alors je t'offrirai l'ordinateur portable que tu as toujours réclamé. » Alors l'élève a été motivé. Il a bien travaillé, il a eu 12 de moyenne. Son père lui a acheté ce qu'il désirait. Et maintenant, c'est la chute vertigineuse. Sa mère me dit qu'elle est obligée de débrancher l'électricité, obligée de couper la Wi-Fi à la maison afin qu'il puisse dormir ou qu'il puisse faire ses devoirs. Car quand il est devant l'écran, ce sont 4, 5, 6 heures d'affilée sans manger, sans boire, sans faire attention à ce qui se passe dans la maison. Le pauvre, il a pris le mauvais chemin. Si vous voulez échouer à l'école, alors n'écoutez pas vos parents, n'écoutez pas vos professeurs, moquez-vous de ceux qui réussissent, ceux que vous appelez d'un air ironique les intellos. Ne les fréquentez pas. C'est dangereux pour vous puisque vous voulez échouer. Que vos modèles et vos références soient les chanteurs de rap, ceux qui ont bien réussi leur vie. Que ça soit les délinquants, que ça soit les stars de la musique et du sport. Eux, ils vont vous mener vers ce que vous désirez, l'échec. Passez la majeure partie de votre temps avec des écouteurs dans les oreilles, à écouter de la musique, à n'en plus finir. Une musique qui va vous mettre des idées en tête qui vont vous tirer vers le bas et non pas vers le haut. Si vous voulez échouer, alors faites du mal à vos parents. Faites pleurer vos parents. Faites leur honte. Il faut que vos parents aient honte de vous, qu'ils n'osent même pas dire à leurs amis, à leur famille, que vous avez été renvoyé de l'école, que vous avez eu un blâme, que vous avez été mis en garde à vue, que vous leur avez foutu la honte. Faites en sorte que vos parents invoquent Dieu contre vous, qu'ils disent à Dieu, j'en ai marre de lui, j'en ai marre d'elle, je n'arrive plus à dormir. C'est ça le chemin de l'échec. Par contre,
Si vous voulez réussir, alors il va falloir vous prendre en main. Il va falloir, le matin, quand vous vous réveillez pour aller à l'école, n'avoir qu'un seul but et ne jamais être détourné de cet objectif. C'est d'augmenter vos connaissances. C'est d'attirer l'admiration de vos professeurs. C'est d'être un exemple et un modèle pour votre lycée et votre collège. C'est de rendre fiers vos parents. C'est de faire en sorte que vos parents vous aiment tellement, vous leur avez fait tellement plaisir, qu'ils invoquent Dieu pour que vous réussissiez dans votre vie. Surtout votre maman, car le paradis est à ses pieds. Surtout votre papa, car la porte du paradis dont l'accès est le plus facile, c'est le Père, comme nous dit notre prophète bien-aimé. Si vous voulez réussir à l'école et dans votre vie, alors il va falloir faire plus que les autres. Il va falloir vous distinguer, quitte parfois à paraître ridicule. Ce n'est pas grave. Ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, ceux qui vont peut-être vous exclure parce que vous avez choisi le bon chemin, un jour, ils viendront vous demander de l'aide. Parce qu'un jour, ils se retrouveront sans travail, sans avenir. Et comme vous, vous avez fait des efforts, vous avez été la fourmi qui a fait des réserves pour les temps durs. Vous n'avez pas fait comme la cigale. Un jour, elle viendra frapper à votre porte. Mais vous ne ferez pas comme la fourmi, vous n'allez pas la rejeter. Car ce que vous voulez, c'est la réussite pour tous. Et vous allez aider vos amis. Et vous serez leur véritable ami. Parce que ce jour-là, vous allez leur rendre service. Abdullah ibn Abbas, ce grand compagnon, dit « Quand le prophète alayhi salat wa salam est décédé, j'ai dit à mon ami « Que dis-tu ? Je te propose, tous les deux, de nous engager dans la voie de la réussite, celle de la recherche du savoir. » Le prophète a délaissé des compagnons qui ont retenu ses paroles. Nous allons frapper à leur porte et, tant que nous sommes jeunes, et que nous avons du temps libre, profiter de leur connaissance. Son ami lui a dit, « Mais tu es complètement fou, Ibn Abbas, est-ce que tu penses qu'un jour tu auras le niveau de ses compagnons ? Jamais nous n'y arriverons. » Ibn Abbas a dit, « Quand j'ai vu que mon ami n'avait pas mon ambition, je l'ai laissé et j'ai continué mon chemin tout seul. » Et quand j'entendais qu'un compagnon avait un savoir du prophète bien-aimé, j'allais frapper à sa porte, alors qu'il faisait très chaud et que les gens dormaient, faisaient la sieste. Moi, j'allais frapper à la porte de ce compagnon, et quand on me disait qu'il était en train de se reposer, je ne me décourageais pas, je m'asseyais sur l'entrée, et j'attendais que ce compagnon se réveille, qu'il ouvre la porte et qu'il m'accorde du temps. Et cet homme me disait, « Oh, cousin du prophète, si je savais que c'était toi qui me voulais, je serais venu jusqu'à toi. » Et Ibn Abbas répondait, « C'est moi qui recherche la connaissance. Je suis l'élève et tu es mon maître. C'est à moi d'aller vers toi et de courir après toi. » Les années ont passé. Ibn Abbas dit, « Le soleil brûlait mon visage et le vent me couvrait de poussière quand je cherchais la connaissance. » Et un jour, il était assis et il est devenu un professeur. Et il y avait des étudiants autour de lui. Et son ancien ami est arrivé. Il a vu Ibn Abbas et il a dit la chose suivante. « Hadha al-fata kana a'qala minni. » Ce jeune a été plus intelligent que moi. Le temps lui a donné raison. Il a souffert, mais aujourd'hui il a réussi. Je l'envie. Demandez, les jeunes, à ceux qui sont plus âgés que vous, demandez-leur, si tu pouvais revenir en arrière, à l'époque où tu avais du temps, à l'époque où tu écrivais ton avenir, à l'époque de l'école, qu'est-ce que tu aurais fait? Quels sont tes regrets? Tous vont vous répondre, j'aurais dû plus travailler, j'aurais dû faire plus d'efforts. Vous savez pourquoi? Car au moment où on se parle, tous les plaisirs et les divertissements et la distraction, les heures qu'on a passées à nous amuser,
au moment où on se parle, qu'est-ce qu'il en reste? Des souvenirs. Ce ne sont que des souvenirs, c'est du passé. Par contre, si durant toutes ces années, on a travaillé, on s'est privé, on a mis des limites à nos envies, à nos passions, on a pris sur nous, aujourd'hui, au moment où on se parle, qu'est-ce qu'il reste de ces efforts? Il reste ce que nous avons récolté, c'est-à-dire des connaissances, des compétences, un travail, une situation stable. Si vous voulez réussir, les jeunes, il va falloir préparer votre avenir, c'est-à-dire votre mariage. Vous n'y pensez peut-être pas, mais c'est maintenant que ça se prépare. Parce que si vous échouez dans votre scolarité, ça va avoir une répercussion sur votre situation sociale. Et pour se marier, pour prendre en charge une famille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un minimum de revenus. Il faut peut-être une maison. Vous allez repousser ce projet à quand? À 25 ans? À 30 ans? À 40 ans? À cause d'erreurs de jeunesse. Si vous voulez réussir, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Et un jour, vous serez heureux. Vos parents seront heureux de vous. Et surtout, votre Seigneur, Allah, sera content de vous. Car le prophète, ﷺ, nous a dit, Allah aime et il préfère le croyant fort plutôt que le croyant faible, même si dans les deux il y a du bien. Allah préfère celui qui est fort, celui qui réussit et non pas celui qui échoue. Car quand tu réussis, tu es un modèle et un exemple pour les autres. Quand tu réussis, tu peux être utile aux autres. Tu peux faire du bien aux autres. Mais quand tu échoues, tu es au service des autres. Au sens où tu es assisté, tu dépends des autres. Tu vas peut-être aller vers la voie de l'argent facile, et donc peut-être du vol, des trafics, de la vente de la drogue. Beaucoup de péchés peuvent être évités si on choisit la voie de la réussite. Qu'Allah nous aide à être des modèles, des exemples qui nous donnent la force pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. كان نبينا عليه الصلاة والسلام معلما بالدرجة الأولى كان مربيا فذا مبلغا بأسلوب وطريق عجبا وهذه الكلمات الآن سأوجهها إلى المربيين وخصوصا الآباء والأمهات. Maintenant je vais m'adresser aux parents. Je me suis adressé aux jeunes, maintenant je vais m'adresser aux adultes, ceux qui ont comme lourde responsabilité d'aider les jeunes à réussir. Comment pouvons-nous aider nos jeunes à réussir? Il nous est dit dans le Coran, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Il y a dans le prophète de l'islam, dans le messager de Dieu, un excellent exemple à suivre. Et le prophète, c'est d'abord un éducateur. Alors nous allons assurément trouver dans sa vie, pour nous, éducateurs, parents, professeurs, des astuces pédagogiques pour aider les jeunes à réussir. Comment le prophète de l'islam faisait pour préparer les nouvelles générations à la réussite? Nous allons simplement prendre des exemples. Car toute sa vie prouve qu'il était un excellent éducateur. Quand le prophète de l'islam est arrivé à Médine, il s'est enfui de la Mecque, il arrive à Médine et il va enfin pouvoir commencer librement, avec tous les moyens, à préparer la société de demain. Autrement dit, à préparer les nouvelles générations. Enfin, il va pouvoir trouver les jeunes potentialités
afin de les utiliser pour la société. Il arrive et il a en face de lui un public qui l'accueille. Il y a des adultes, mais il y a aussi des jeunes. Et dès les premiers instants, le prophète, alayhi salam, dans la foule, il essaie de repérer les jeunes. Et il dit, « Dites-moi, qui est ce jeune homme ?» On lui dit, « C'est Zayd ibn Thabit. » Il dit, « Qui est-il et qu'est-ce qu'il connaît du Coran ?» Parce que pour lui, la connaissance du Coran était un critère fiable pour juger si un jeune est ambitieux, si c'est quelqu'un qui connaît les priorités dans sa vie. On lui dit, « Zayd ibn Thabit a appris tout le Coran qui a été révélé jusqu'alors » et que Mus'ab ibn Umayr, qui avait été envoyé un an plus tôt, a enseigné. Et là, il comprend que Zayd ibn Thabit, c'est un petit génie, qui a une très bonne mémoire et qui est plein de bonne volonté. Et il va tout de suite essayer de profiter de ses compétences au service de la société. Il dit, « Oh Zayd, j'ai besoin de toi, va apprendre, te perfectionner dans la langue des juifs, l'hébreu ou le syriaque, car j'ai besoin d'un interprète. Et toi, tu en es capable. » Zayd, pendant quelques semaines, il a été valorisé par le prophète, il se sent motivé, il apprend cette langue, il revient et il dit, « Ô messager de Dieu, maintenant je suis prêt à te rendre service. » Et Zayd ibn Thabit, malgré son jeune âge, va avoir cet honneur d'être l'interprète officiel du chef d'État de l'époque, alors que bien d'autres pouvaient le remplacer. Mais le prophète veut utiliser les jeunes. Et c'est tellement vrai que Abu Bakr as-Siddiq, quand il succédera au prophète, va lui-même utiliser Zayd ibn Thabit pour, encore une fois, une lourde mission, c'est celle de rassembler le Coran et d'en faire un livre. Et Zayd va accepter, bien que ce fût pour lui plus lourd que de déplacer des montagnes. Si le prophète n'avait pas ce souci, dès les premiers instants d'éducateur, de repérer les jeunes talents, Zayd ibn Thabit aurait été fondu dans la masse et il serait resté quelqu'un d'ordinaire. Mais parce qu'il y a eu un éducateur attentif, il a pu faire éclore en lui ce qui était caché et enfoui. Et c'est ça un éducateur, c'est quelqu'un qui va cerner, déceler dans ses enfants, dans les jeunes, leur talent, et il va les développer. Un autre exemple, c'est celui de Abdullah ibn Abbas dont on a parlé tout à l'heure. Il a été éduqué par le prophète alors qu'il était un jeune adolescent. Un jour, le prophète lui demande de l'accompagner, de monter derrière lui sur le mulet. Pourquoi est-ce que le prophète demande à un enfant de l'accompagner ? Pour le protéger ? Mais non, évidemment. Parce qu'il a besoin de lui ? Non. Parce que l'enfant a besoin de lui. Et il va lui dire ces paroles, que normalement, nous devons adresser à un adulte, car un jeune homme ne peut pas les comprendre, un jeune enfant ne peut pas les comprendre. Mais le prophète a trouvé que Abdullah ibn Abbas était précoce, et il va travailler sur sa maturité. Et il va lui dire, « Ya Roulam, ô fiston, je vais t'enseigner des paroles, retiens-les. » Et ce sont les fameuses paroles que vous connaissez. Souviens-toi de Dieu dans l'aisance, il se souviendra de toi dans la difficulté. Quand tu t'adresses à quelqu'un, adresse-toi à Dieu. Si tous les gens sur terre devaient se réunir pour te faire du bien, aucun bien ne te parviendra si cela n'a pas été destiné pour toi. Si tous les gens complotent contre toi pour te faire du mal, aucun mal ne te parviendra si cela n'a pas été décrété contre toi. Des paroles lourdes de sens, mais que ce jeune homme va apprendre et va transmettre aux autres. Abdullah ibn Abbas dit, un jour, j'ai dormi chez ma tante, qui est l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam.
et en pleine nuit, il s'est levé pour faire la prière. Et je me suis levé et je me suis mis à ses côtés. Et il est resté très longtemps debout à prier aux côtés du prophète. Le prophète ne lui a pas dit « Tu es jeune, va dormir ». Mais il l'a laissé, il l'a encouragé, car il a vu en lui un potentiel. Et c'est ce Abdullah ibn Abbas qui va être choisi par Omar ibn al-Khattab pour intégrer la cour des grands. Il sera son conseiller. Et les gens âgés vont dire « Mais qu'est-ce que fait ce jeune parmi nous ?» Et Omar va leur dire « Il n'est pas comme tout le monde. Lui, c'est un petit génie. Il doit venir dans la cour des grands. » Vous avez également l'exemple de Oussama ibn Zayd, qui était aussi un adolescent qui entrait dans le monde des adultes, 19 ans dit-on, et il est le chef de l'armée. Encore pour le motiver et faire de lui quelqu'un d'utile. Amr ibn Salama dit, quand j'étais jeune, j'avais à peu près 8 ans, j'ai accompagné mon père et ma tribu pour rencontrer le prophète et apprendre ma religion. Et le prophète nous a enseigné l'islam et il a dit, celui qui dirigera la prière dans votre mosquée, dans votre village, c'est celui qui connaît le plus de Coran, celui qui parmi vous a le plus retenu. Et Amr ibn Salam a dit, c'était moi qui connaissais le plus de Coran. Et il est devenu l'imam dans sa ville, dans son quartier, alors qu'il avait 8 ans. Ce qui signifie que le prophète avait le souci de mettre en avant les jeunes quand ils voyaient en eux de la volonté, de l'intelligence et de l'éveil. Et il a fait pareil avec Uthman ibn al-As, qui est venu avec sa tribu pour rencontrer le prophète. Mais les adultes lui ont dit « Tu vas rester, tu vas garder nos chameaux. C'est nous qui allons rencontrer le prophète et profiter de son savoir. » Uthman ibn al-As a dit « Non, c'est pas juste. Je veux profiter de lui. » Il a dit « Je suis prêt à garder vos montures, mais à condition qu'en sortant, vous me cédiez la place. » Quand les adultes vont sortir, ils vont vouloir lever le camp et partir. Et Uthman ibn al-As va insister en disant « Non, vous m'avez promis que je pouvais rencontrer le prophète. » Il était ambitieux. Ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas lui dire de plus que nous ? Nous lui avons posé toutes les questions. Nous allons te rapporter ce qu'il nous a enseigné. » Il a dit « Non, je veux le rencontrer. » Et Uthman ibn Abi al-As va rentrer et il va dire « Ô messager de Dieu, je ne vais pas te poser une question, mais je vais te demander quelque chose. Demande à Dieu de me donner la bonne compréhension de la religion. » Et le prophète va dire « Personne ne m'a demandé ça avant toi, parmi les gens de ta tribu. C'est toi qui seras leur imam dans leur ville. » Parce qu'il a trouvé en lui de l'ambition. Il n'est pas resté dans les détails, mais il a demandé non pas des connaissances, mais une compétence, c'est-à-dire les capacités intellectuelles pour comprendre la religion. Autrement dit, il a dit au prophète, « Moi, je vais chercher le savoir tout seul. Je ne te demande pas de m'enseigner, je te demande simplement de l'aide. Et c'est moi qui ferai mon chemin. » Et le dernier exemple que je vous cite dans la vie du prophète, parce que certains d'entre vous vont dire « Mes enfants ne sont pas ainsi. Mes enfants n'ont pas ces qualités. Ils ne sont pas précoces. Mes enfants ne sont pas des génies. Au contraire, je vois que mon enfant est un raté, qu'il ne réussira pas. C'est quelqu'un qui est plutôt parmi ceux qui vont échouer et non pas ceux qui vont réussir. » Écoutez cette histoire. Le prophète arrive victorieux à la Mecque. Il demande à Bilal de faire le Adhan. Et un groupe d'adolescents va se moquer du Adhan de Bilal. Ce sont des jeunes. Ils vont caricaturer Bilal en singeant sa manière de faire l'Adhan. Ils vont se moquer de lui, ce qui est un blasphème. Et le prophète va les voir, il va demander, il va les interpeller. Abu Mahzour a dit, quand j'ai su qu'il était au courant et qu'il m'a interpellé, je me suis dit qu'il allait me couper la tête. Mais le pauvre, il ne connaissait pas le prophète, il n'a pas vécu avec lui. Il ne savait pas qu'il s'agissait d'un éducateur et non pas d'un homme violent.
Et il a dit, ô Abu Mahzoura, j'ai entendu ton adhan, et je trouve que tu as une belle voix. Veux-tu que je t'enseigne les paroles du adhan ? Abu Mahzoura dit, et il m'a enseigné les paroles du adhan, et il m'a désigné comme le mot adhin à la Mecque. Autrement dit, le prophète de l'islam n'a pas vu l'utilisation qu'a fait ce jeune de sa belle voix, mais il est remonté à la source, c'est-à-dire à ses compétences. Et il a su orienter ses compétences dans le bien, alors que jusqu'alors elles étaient utilisées dans le mal. Et c'est ça un éducateur, c'est quelqu'un qui va au fond des choses et qui peut orienter la personne et qui accepte sa personnalité et son profil, mais qui va l'utiliser dans le bien. Un message pour les jeunes, un message pour les éducateurs, mais vous savez que la tâche n'est pas facile. Les jeunes ont besoin d'aide, et même vous, parents éducateurs, vous avez besoin d'aide. D'où l'importance dans notre société, à l'heure où les influences interfèrent dans l'éducation que nous pouvons proposer à nos enfants, à l'heure où on manque de temps, à une époque où nos enfants sont plus à l'extérieur qu'à la maison, nous avons besoin d'aide. Et ce sont des structures qui peuvent nous aider. Et l'école en premier chef. D'où l'importance capitale pour nous d'avoir des écoles privées musulmanes. Nos corréligionnaires juifs et chrétiens l'ont compris depuis longtemps et ils ont su créer leurs écoles justement pour aider les jeunes à réussir sur le plan scolaire, parce qu'une école privée est beaucoup plus stricte, elle a peut-être des pédagogies un peu plus développées, ils sont un peu plus libres dans l'innovation, mais aussi au niveau éthique et moral, il y a un peu plus de règles, de disciplines. D'où l'importance d'avoir des établissements scolaires musulmans pour faire réussir nos jeunes dans la société et les faire réussir dans leur religion. Vous avez le collège et le lycée Averroès qu'il faut soutenir et vous avez également des primaires qui ont vu le jour un peu partout. Et elles sont très importantes car on sait que plus on s'y prend tôt et plus nous avons des chances de les faire réussir. Je suis imam à la mosquée de Rennes et ça fait des années que nous sommes penchés sur cette question. Et une association a vu le jour et ils ont réussi, après des années de réflexion, d'efforts, à mettre en place une école privée, une primaire à la mosquée de Rennes dans ses locaux. Mine de savoir. Elle est toute récente, c'est cette année. Et c'est une école qui s'est fait entourer de gens compétents, qui a mis en place une pédagogie éco-citoyenne pour sensibiliser les jeunes à l'écologie et à la citoyenneté, où il y a un enseignement optionnel de la religion, où il y a un cadre idéal, où les effectifs sont assez réduits pour faire de la qualité. Et ça marche très bien. Mais nous avons besoin d'aide pour que ce projet puisse perdurer dans le temps et qu'il puisse s'agrandir. Sachez que dans le Coran, Allah Azza wa Jal a voulu nous motiver. Et il nous a parlé d'un enfant précoce qui a été pris en charge par la société, par sa communauté. Et cet enfant est devenu un modèle pour l'humanité. Il s'agit de Maryam, Marie, sa mère, alors qu'elle était encore dans son ventre, elle a imploré Dieu pour que cet enfant, car elle ne savait pas que c'était une fille, pour que cet enfant soit un modèle. Et elle a voulu l'intégrer dans une structure de l'époque, une structure de réussite, c'est la mosquée. Elle a dit au Seigneur, mon enfant, je vais le mettre à la mosquée pour qu'il devienne un modèle et un exemple. Il se trouve qu'elle a eu une fille et non pas un fils, mais elle n'a pas désespéré. Et elle a continué à éduquer son enfant pour qu'il réussisse. Mais son père décède et la maman se retrouve seule. Elle a besoin d'aide pour qu'on prenne en charge sa fille.
et sa fille était un petit génie. Et les gens à l'époque vont se disputer qui aura l'honneur et le privilège de la prendre en charge. Qui va prendre en charge Maryam? Qui va financer sa formation dans la mosquée? وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Tu n'étais pas prophète auprès de ces gens qui se sont disputés, qui va prendre en charge, qui va financer la formation de Maryam. Ils se sont disputés pour cet honneur. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui va prendre en charge la formation de Maryam, c'est celui qui récoltera tout le bien qu'elle fera. Car tu es à l'origine de ce bien, ou tu as participé à ce bien. S'il vous plaît, les frères, avancez-vous. Il y a déjà des gens qui sont dans le couloir. Taqaddamu, Allahi barfikoum. Eh bien, nous avons aujourd'hui, dans ces écoles privées musulmanes, peut-être des futurs Maryam. Qui va les prendre en charge? C'est d'abord leur communauté. Et donc, aujourd'hui, la mosquée de Villeneuve-d'Ascq, que Dieu vous récompense, nous a donné la possibilité de parler de ce projet afin de faire appel à votre générosité. Vous trouverez à la sortie de quoi aider cette école primaire et nous avons besoin de 50 000 euros pour nos 45 élèves de l'année prochaine, CP, CE1, CE2, CM1. En soi, ce n'est pas beaucoup, car nous sommes nombreux et nous sommes généreux. Vous avez la possibilité de parrainer un enfant. Un enfant coûte 1 000 euros à l'association. Vous pouvez très bien dire « je prends un enfant en charge ». Comme vous pouvez très bien dire « je n'ai pas forcément les moyens, je n'ai pas 1 000 euros, je n'ai pas 100 ou 80 euros à donner chaque mois, mais je peux faire un don ponctuel ». Et vous pouvez le faire dans les boîtes qui sont à l'extérieur, ou prendre le formulaire et être adhérent, ou bien prendre le prospectus, il y a le lien d'une cagnotte en ligne, et vous faites un virement pour aider cette école. Et nous, ce que nous promettons aux donateurs, et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de dire à ces enfants, dans le cours d'éthique, dont moi je suis responsable chaque semaine, d'invoquer Dieu pour récompenser ceux qui les ont aidés et pour récompenser et aider les enfants de ces parents qui nous ont aidés à réussir. Et sachez que celui qui vient en aide à un enfant, qui aide sa scolarité, il aura les trois œuvres de bien qui durent après la mort d'une personne. Toutes les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent, sauf dans trois cas. Quand on laisse un enfant vertueux qui invoque Dieu pour nous, et ses enfants invoqueront Dieu pour vous. Quand on laisse une science utile, et ses enfants seront une science utile dans leur société. Et quand on laisse une œuvre de bien qui dure après notre mort, et Inch'Allah, cette école privée, primaire, durera après votre mort si elle est soutenue par vous. Autre information, c'est la mise en place d'un séminaire ici à la mosquée de Villeneuve-d'Ascq, la semaine prochaine, samedi prochain. C'est organisé par